Salut les moteurs poteaux et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On démarre directement avec un petit bug caméra sur ce replay. Comme vous pouvez le voir, je pars bon dernier. Et encore un petit bug caméra juste là. Et maintenant, je peux vous expliquer de quoi il en retourne. Donc, je suis ici en MX-5 Pseudo Cup. On va dire, parce qu'il y a des voitures qui sont pas tout à fait conformes, elles ont pas l'arceau, mais bon, ça c'est pas grave. On est 20 furieux sur Deep Forest. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, le plateau est plutôt sympa à regarder. Il s'agit en effet de 20 IA, enfin 19, puisque il y a moi dedans. 19 IA sur laquelle j'ai collé une petite livrée au niveau des MX-5. Alors comment j'en suis arrivé là? Eh bien tout simplement en achetant une petite dizaine de MX-5 sur lesquels j'ai collé des améliorations et des livrées différentes. Et donc pour une course personnalisée, eh bien on a la possibilité de choisir pour chaque pilote sa voiture, ce qui nous permet donc d'obtenir un plateau comme ceci, un petit peu personnalisé et assez cool à regarder. Maintenant, le problème, c'est qu'avec l'IA, c'est vraiment, vraiment trop facile. Donc, ce que j'ai fait pour pallier à ça, c'est que toutes les voitures sont à 165 chevaux, sauf la mienne, puisque je me suis mis à 115 chevaux. Vous voyez d'ailleurs que dans la ligne droite, j'ai quand même du mal. Je reviens pas mal lorsqu'il y a des virages et des parties sinueuses, mais ça donne un petit peu de challenge. Et puis, surtout, hein, ça permet de ne pas déposer l'IA à la moindre accélération, puisque à puissance égale, malheureusement, l'IA n'exploite pas la totalité de la puissance de la voiture. J'ai fait le test sur Daytona. L'IA a une voiture qui potentiellement monte à 225 et à 190, 200, je les dépose. D'ailleurs, si vous voulez faire cette expérience-là sur Daytona, je vous déconseille, puisque franchement, vous allez vous ennuyer. L'IA est sur un rail, ça ne bouge pas, c'est scandaleux. Bref, essayez des circuits un petit peu plus animés comme celui-ci. Donc, je pars en dernière position avec 50 chevaux de moins que l'IA. Et je vais tenter une petite remontada. On est parti pour 8 tours. Je vous laisse apprécier toute la course, bien entendu. N'oubliez pas que jeudi soir, on se retrouve justement pour une soirée monotype en MX-5 Cup. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Tiens à vous !